J'espère que vous allez bien. Alors, on se présente pour les personnes qui ne nous connaissent pas. Moi, c'est Lucrèce. Moi, c'est Maël. On est tous les deux les fondateurs de FH Agency, qui est un cabinet d'architecture d'intérieur et de décoration basé en France et au Gabon. On entend, en tout cas, pour les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous nous avez vu nous charger des projets de nos clients, vos projets, que ce soit dans le domaine de la construction ou encore de la rénovation. Et aujourd'hui, il s'agit d'un projet qui est assez particulier. Il s'agit tout simplement de la construction de notre villa qu'on a hâte de partager avec vous. On a essayé de s'organiser au mieux. Maëlle va mieux vous en parler. Nous, on est très fans des maisons de type IS, donc c'était vraiment l'inspiration qui m'a guidée lorsque j'ai fait les plans 3D, les plans de façade, pour ensuite les soumettre au constructeur. Alors, au niveau de l'organisation, elle a géré, comme vous pouvez le voir, l'aspect technique, parce qu'elle est architecte d'intérieur, et moi j'ai géré l'aspect paperasse, on va dire administratif, par exemple la recherche du terrain et tout ce qui est viabilisation du terrain et autres, et les différents intervenants. C'est moi qui ai géré cette partie, donc je vais essayer de vous en parler au fur et à mesure des vidéos, et elle va se concentrer sur l'aspect technique, design, que lui aussi il a participé à tout ça, parce que évidemment c'est un projet commun, c'est pas juste le projet de Lucrèce, c'est pas juste le projet de Maël, c'est vraiment notre projet à tous les deux, donc c'est important que chacun puisse s'y retrouver. En tout cas, on a essayé d'avoir tout ce qu'on souhaitait. Donc, du coup, en tout cas pour les personnes qui ne s'y connaissent pas en construction, on est tous soumis à un PLU, donc ce qui nous oblige à avoir on a certaines restrictions évidemment, pour essayer de copiner avec le, j'ai envie de dire, l'architecture du voisinage. Donc on a essayé d'avoir une maison qui est en même temps contemporaine mais également classique. Donc du coup, il y a une façade qui est totalement contemporaine et une autre qui est classique. On voulait absolument quelque chose de très symétrique, bien étudié. On voulait également d'autres éléments qui ont apporté du détail, tels les briques de parement, la grande verrière de 5 mètres, les deux frontons avant, etc. Donc voilà, c'est pas mal de choses qui ont permis vraiment d'en faire notre maison, tout simplement. Donc qui nous ressemble en tout point. En tout cas, on a hâte de partager ça avec vous, que ce soit sur la partie technique, la partie recherche des matériaux, la partie également administrative qui représente quand même le gros du projet pour que votre projet puisse être mis en route. On a quand même derrière nous, une bonne année. Une bonne année de démarches administratives. Bref, on aura l'occasion de pouvoir revenir là-dessus. Cette vidéo, c'était pour vous annoncer cela, pour vous dire en fait qu'on gardait ça en nous depuis déjà plusieurs mois. On a essayé de shooter le maximum de choses possibles pour vous faire revivre également ces instants-là avec nous. C'est une très belle expérience et pour nous, c'est important de pouvoir partager en tout cas ce qu'on a pu vivre, parce que je pense que ça aide toujours d'avoir un retour d'expérience. Et j'espère en tout cas que ça vous plaira. Et effectivement, comme elle a pu le dire, c'est notre première construction. Donc en France, oui, il faut le préciser. Et donc forcément, on a pu commettre des erreurs, parce qu'on va vous partager les aspects techniques, beauté et tout. Mais on a pu faire des erreurs, peut-être dans les contrats. Et en tout cas, on aura le temps de nous étendre là-dessus. Mm-hmm. Mais c'est tout ça qu'on aimerait partager avec vous. Nous ne sommes pas forcément des spécialistes du domaine. Ouais, quand même, de vous donner le maximum de choses en faisant aussi quelques recherches, parce qu'on ne connaît pas tout, évidemment. Mais ce qui voulait surtout dire, c'est soyez indulgents. Voilà, on n'a pas la science infuse. Le but est vraiment de rester dans une atmosphère de partage. Exactement. On apprend tous en fait, et cette expérience est vraiment riche d'informations. On apprend tous les jours. Il y a encore des choses que moi-même, étant architecte d'intérieur, je découvre, et c'est passionnant. En tout cas pour moi, je pense que pour toi aussi c'est passionnant. Et c'est surtout beau de voir son projet se réaliser, voir les murs monter. En fait, au moment où on vous parle, le rez-de-chaussée a été clôturé, ça fait déjà plus d'une semaine, pour vous dire. C'est vraiment une très très belle expérience. On a en tout cas très hâte de partager tout ça avec vous. On espère en tout cas que ça vous plaira. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram et TikTok. On va énormément partager avec vous les aspects techniques, l'évolution du chantier. Les choix des matériaux. Oui, les choix des matériaux. La partie design, la partie décoration. la totale, évidemment, étant architecte d'intérieur, vous imaginez bien que...
en fait, on y a passé du temps à pouvoir tout faire, les plans techniques, les plans électriques, les plans de cloisonnement, enfin, tout a été vu, tout a été revu 10 000 fois changé. Et je pense qu'il y en a un là qui a marre de moi, tellement, en fait, de l'heure de bain, j'ai toujours quelque chose à lui dire. Bah, écoute, si on fait ça, hein, je pense même que le conducteur des travaux en a marre de moi. Mais ce qui est aussi bien, c'est qu'on est accompagné avec des professionnels qui sont transparents. On aime la transparence et on aime beaucoup être transparent vis-à-vis de ceux qui sont autour de nous. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions. On mettra certainement une FAQ sur le compte FH Agency. Donc vous pourrez nous poser toutes les questions que vous souhaitez. Après, il y a certaines, évidemment, je pense niveau prix, etc., qui sont vraiment très subjectives et qui dépendent surtout de votre projet auquel ce sera difficile de pouvoir vous répondre, mais en tout cas on apportera le maximum d'informations, quitte à donner en fait une fourchette. Donc voilà, c'est dit, on a sauté le pas. On a enfin sauté le pas. Souhaitez-nous bonne chance, parce que c'est une aventure, mais on a hâte. Ça fait plaisir de voir nos enfants se balader là au niveau du terrain, surtout Léna. Elle découvre tout, elle joue avec la terre, elle a même, je ne sais pas, au niveau de souci électrique. Elle nous a fait des dingueries, mais voilà, c'est plaisant et on a hâte d'y vivre, on a hâte de le partager ça avec vous, tout simplement. Et franchement, là, je suis remplie d'émotions quand même à vous dévoiler tout ça. J'étais un peu en stress ces dernières semaines à me dire, mais comment trouver que je suis. Comment présenter les choses, c'est ça, sans pour autant qu'on soit jugé, sans pour autant. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui tournent dans mon tête. On garde ça pendant plusieurs mois. En fait, à chaque fois, on se disait, est-ce qu'on ne va pas, est-ce qu'on part lorsque le but sanitaire est fait, est-ce qu'on en parle. Enfin voilà, on s'est posé des questions, mais je pense que le projet est suffisamment lancé. Enfin, voilà, et c'est surtout qu'on a envie de partager plein de choses avec vous, et c'est un peu dommage que toutes ces choses-là passent et qu'on n'ait pas l'occasion de pouvoir en parler avec vous. Donc là maintenant, ce sera possible. On vous dit à bientôt, portez-vous bien et n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, et à une prochaine vidéo qui sera peut-être, si vous